Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre à l'ancienne. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque voilà, là, il va être l'heure d'abattre deux poules que j'ai achetées 4 euros il y a 3 semaines de ça. Donc, c'est des poules de réforme, c'est des poules qui sont destinées de toute façon à aller à l'abattoir. Alors, les poules de réforme, qu'est-ce que c'est? Je vous explique rapidement. C'est des poules qui sont en fin de carrière, qui ont 2 ans, qui ont fini de, qui pondent plus assez pour être rentables, hein, malheureusement. Et donc, du coup, on les envoie à l'abattoir et c'est comme ça que vous trouvez vos poules dans les grandes surfaces. Sauf que moi, j'en ai récupéré deux, elles ont vécu 3 semaines de plus. Là aujourd'hui, elles ont remplumé un petit peu, elles sont pas non plus très très grosses. Mais aujourd'hui, il va être l'heure de les abattre pour pouvoir les plumer, les préparer et les manger. L'abattage, vous le verrez pas. Par contre, après, vous allez voir comment les plumer, comment les vider et comment les préparer par la suite. C'est-à-dire qu'on va faire une petite cuisson après. Alors maintenant que c'est fait, on va les mettre tout simplement dans l'eau chaude. Voilà, pas non plus brûlante, mais chaude, pour tout simplement que le plumage soit plus facile à faire. Donc je vais les laisser tremper un peu. Pour ceux qui n'ont jamais tué de poules, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà les faire en sorte qu'elles aient la tête en bas, c'est logique. Il existe des espèces d'entonnoirs, on appelle ça un saignoir, comme ça la poule, on la met dedans, elle peut plus bouger. Donc ça évite que ça en mette partout, comme ça vient de m'arriver. Parce qu'il faut savoir que quand la poule n'est plus vivante, les nerfs, eux, ils réagissent encore, ce qui fait que ça peut en mettre partout comme ça m'est arrivé. Donc avec un saignoir, comme ça, la poule, même s'il y a les nerfs continuent à réagir, elle ne bougera pas. Vous voyez, vous avez vu comment ça vient? Ça vient tout seul. Voilà, donc là, on enlève les plumes. Hop. Je sais pas si vous voyez. Le mieux, c'est d'avoir une table. Moi, comme j'ai pas trop de table, j'en ai pas pour dehors, surtout. Donc voilà, vous avez vu, on a mis dans l'eau. Après, il suffit juste de passer. Normalement, on passe sa main, mais là, les plumes, elles sont un peu raides. Donc là, après, il va forcément rester des plumes. Donc les plumes, on les enlèvera au chalumeau, tout simplement. Effectivement, on aperçoit que les pattes sont pas très grosses. Donc mine de rien, on va faire une bonne poule au pot avec. Donc là, voilà, on n'hésite pas, on passe les mains. Faut étirer les plumes, en fait, hein. Après, on peut passer les mains comme ça aussi, en frottant. Ça les enlève aussi, ça marche. En abattoir, ils ont des espèces de grosses machines à laver où ils mettent les poules dedans et ça les plume en même pas en très très peu de temps et du coup c'est carrément pratique. Nous, moi j'ai pas ça donc je fais ça à la main, mais dans les abattoirs ils ont des machines exprès. Et j'ai envie de dire heureusement pour eux parce que donc moi pour les tuer, je mets simplement un coup de couteau ici, donc tête en bas, comme ça le cœur continue à battre, ça vide bien le sang et après vous avez un poulet ou une poule qui est bien vidé de son sang. Le reste des plumes, ce sera le chalumeau. Donc là, on voit la une de prête, hein. Donc là, elles sont plumées. Vous les verrez mieux tout à l'heure. C'est pas des très grosses poules. Donc voilà, nos deux poules sont plumées. On va les fignoler au chalumeau tout à l'heure. On va passer à l'étape préparation. Couper les pattes, la tête, vider les entrailles. La ficeler correctement propre pour pouvoir la mettre en cuisson. Et ensuite, la cuisiner. A tout de suite. Mes chers amis, je viens de vider une poule déjà pour commencer. Mon frigo était trop froid, donc il a raidi les poules un maximum, voire jusqu'au point de presque le congeler. Je comprends pas comment c'est possible que mon frigo congèle les poules. Mais du coup, j'en ai fait une. Je vais faire l'autre. Elles sont vraiment toutes petites. L'autre est plus belle. Celle-ci, il n'y a vraiment pas grand-chose à manger dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, je vais les désosser. Enfin, du moins, je vais les continuer à les déplumer avec le chalumeau. Ensuite, je vais enlever les ailes, les pattes. Je vais les vider, je vais enlever la tête. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la désosser entièrement. Je vais vous montrer comment on fait. Et une fois qu'elle sera désossée, on va la farcir. Comme ça, on fera une poule au pot farcie. La carcasse, on la mettra de côté pour la faire cuire avec, pour donner plus de goût, naturellement. Et donc, c'est parti pour les explications. Alors déjà, je vais commencer par la tête. Hop, il n'y a plus de tête. Terminé. Ensuite, on s'attaque aux pattes. Les pattes, on va les enlever à ce niveau-là, ici. Ou vous pouvez même les enlever jusqu'ici, mais moi je les enlève jusque-là. Pareil pour l'autre. Voilà. Donc là, on a déjà un poulet. Enfin, du moins une poule. C'est déjà un peu plus présentable. Les plumes, on va continuer à les enlever parce que on les avait pas bien eues la dernière fois. Donc, ça tombe bien parce que là, elles ont l'air de bien s'enlever. Je comprends pas pourquoi, parce qu'elles étaient dans le frigo. Hop, on enlève tout. Là, s'il reste trop des grosses plumes, en fait, je dégrossis, j'enlève le plus gros des plumes qui restent. Donc là, il y en a une qui va aller au congélateur. Et l'autre, enfin, du moins celle que j'ai dans les mains, je vais la farcir. Parce que comme elle est pas grosse, celle-là, on va en profiter pour la farcir. Hop, on enlève le plus gros des plumes.
Voilà. Ce qui m'embête, c'est comme c'est à moitié congelé, elles sont un peu plus dures à manier, si vous voulez. Elles sont très froides. Quoique là, elle s'est réchauffée depuis tout à l'heure, parce que tout à l'heure, elle était vraiment congelée. Et ça m'embête un peu, le fait qu'elles aient congelé. Enfin, elles n'étaient pas congelées, si vous voulez. Elles étaient durcies. Mais elles n'étaient pas congelées, mais... Pas que ça reste plus longtemps que ça. Donc là, petit coup de chalumeau. Voilà, ça va griller tout ce qui reste en petites plumes. Et là, ça va sentir le cochon grillé. Ah oui, le fait que c'est à moitié congelé, il y a des plumes qui prennent pas dans le chalumeau. Fait chier. Faut toujours qu'il y ait un truc qui déconne, de toute façon. Incroyable, ça. Bon. On va essayer de faire comme on peut. Ça, de toute façon, ça, on va l'ouvrir pour la vider. Ensuite, on va prendre le couteau. On va gratter là où il y a les plumes qui ont brûlé. Pour les enlever. Là, un petit coup comme ça. Voir à la main si ça veut pas. Sacré frigo de merde. Je l'ai mis à fond, j'aurais jamais pensé qu'il allait... Parce que je le trouvais pas très froid. Mais tiens, maintenant il est bien froid. Donc là... Passer un petit coup de chiffon pour enlever vraiment ce qui reste. Bon, de toute façon, là, il va rester des plumes. Hein, parce que... Elles étaient un peu compliquées à plumer, celles-là. Je me rappelle de mes canards, ça avait pas fait ça du tout. Donc là... Hop, on va inciser... Tout le contour... Pour vraiment enlever les boyaux, t'as dit non les os, ça. Elle est vraiment pas grosse. Donc là, on va ouvrir en faisant attention de pas exploser les boyaux. C'est des coups que je dise ça et que je le fasse moi-même. Normalement, non. Hop, je me mets comme ça pour que vous voyez, ce sera plus simple. Enfin, du moins plus simple pour vous, mais pas pour moi. Ah voilà, faut faire attention de pas percer les boyaux comme je viens de le faire. Je m'en doutais qu'il laissait aller m'arriver, ça. Donc, maintenant, on va y mettre les mains. Là, vous avez le gésier, vous avez tout. Je vais essayer de pas prendre le gésier avec. Donc là, vous voyez, il y a tout qui arrive. Là, attendez. Hop, on va faire un truc. Comme ça, vous verrez en même temps. C'est pour éviter que ça tombe sur le bio. Donc là, voilà. On enlève toutes les entrailles. Hein. Hop. Voilà. On va bien chercher au fond. Pour même mettre... Un petit coup de couteau. Voilà. Hop. Là, ça reste accroché. Ah, c'est pas très sexy. Hein. Hop. Bon. Donc ça, c'est fait. Ensuite, il va rester ce qui nous intéresse, nous. Je vais passer ma main sous l'eau parce que... Hop. Elle est sale. Donc là, on va chercher le cœur et le gésier. Voilà. Et le foie. Sauf que le foie, là, il vient de se faire broyer. Ah non, c'est bon. Faut faire attention, hein, normalement, au foie, il y a un fiel. Mais là, me demandez pas pourquoi, il n'y en a pas. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est granuleux là-dedans. Mais il y a quelque chose de granuleux. Là, il y a le cœur. Pourquoi ? Ah ouais, non, c'est parce que c'est gelé, en fait. C'est parce que c'est gelé. C'est pour ça que c'est granuleux. Je croyais que c'était des... Je croyais que la poche devant, là où il y a toutes les graines... J'ai oublié le nom, je me rappellerai quand j'aurai fini la vidéo. Le gosio, comme on appelle ça. Ok, donc là, c'est bon. Donc là, putain, venez juste de manger avant. Ça se voit, la poche est pleine. Donc là, je vais ouvrir ici. Au niveau du cou. Ah, c'est pratique. C'est pratique quand c'est dur comme ça. C'est pas vrai, ça. Donc si vous faites ça, vérifiez bien que votre frigo n'est pas trop chaud. Donc là, hop. Là, on va enlever la petite poche qui est remplie de graines. Vous voyez ? Pas tirer trop fort pour pas que ça explose. Allez, manger du blé et de l'herbe. Puis elle avait bien mangé même. J'adore, je dis juste avant, faut pas tirer trop fort pour pas que ça explose. Qu'est-ce que je fais? Je tire dessus trop fort et ça explose. Moi, je suis trop bien dans mes explications. Voilà. Impeccable. Elle est prête. Maintenant, on va la désosser. Je vais juste rincer un petit peu l'intérieur. On a oublié de faire quelque chose. Vous voyez ici, vous avez le gésier. Le gésier, on va l'ouvrir parce qu'on va le faire pendant la cuisson aussi en même temps. Parce que ça, c'est trop bon. Vous voyez, on va l'ouvrir comme ça. Faire très attention de ne pas péter l'intérieur. Sinon, c'est mort. Donc là, hop, j'ai incisé. Vous voyez, j'enlève délicatement tout le tour. Hop, pareil de l'autre côté. On passe les doigts à l'intérieur. Là, il y a une petite entaille faite avec le couteau. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais... Il est tout doucement. Voilà. J'ai cassé la poche du haut. Hop.
Voilà, vous avez enlevé l'intérieur. Et là, vous avez un gésier qui est nickel, tout propre. Donc là, on va commencer par les filets. Surtout bien raser l'arête de l'os qui est ici. Hop. Voilà. Donc là, j'ai bien rasé l'os. Là, ensuite, on va redescendre par en bas. Vous voyez, les os vont vous guider, de toute façon. Là, celui-là, il va falloir le contourner par là. Là, vous avez un espèce d'os qui est en triangle, là. Vous savez, ça ressemble un peu à un bâton de chercheur. Donc, j'espère que, à l'avenir de la chaîne, les prochaines poules qu'on va faire, vous poulez, ça va pas être la même qualité du tout. Hein, je vous rassure, là, c'est juste des poules de réforme que j'avais pris pour vraiment faire une première vidéo là-dessus, parce que je tenais à faire une vidéo, puis aussi pour remplir le congélateur, hein, parce que pour 4€, on va pas non plus cracher dessus. Hein, les poules que vous voyez au commerce, je suis pas sûr qu'elles soient élevées dans les mêmes conditions, et elles sont moins bonnes, je pense. Celles-là, elles ont quand même eu la chance d'être dehors. Voilà, elles ont mangé du blé, elles ont mangé de l'herbe. Voilà, donc là, hop, je vais bien raser la peau. Là, on écarte les cuisses. Hop, on fait bien le tour. On ne tire pas trop sur les filets, sinon on va enlever l'aiguillette. Et l'aiguillette, il faut qu'elle reste accrochée. Donc là, j'arrive de l'autre côté. Vous savez quoi? C'est plus facile de travailler sur des grosses poules que sur des petites. Parce que là, dis donc, tiens, hop. C'est cet os-là. Voilà. Le fameux os comme ça, celui-là, on l'enlève. Comme ça, il nous gêne plus pour faire le travail. Hop. Voilà. Celle-ci est plus jolie que l'autre. Je dois l'admettre. Donc on fait bien le tour. Hop. On essaye d'en laisser le minimum sur la carcasse. Là, on déjointe. La cuisse. On la casse. Tiens, oulala, bah dis donc, elle était pas très solide cette poule. Attendez, hop, là on va mettre les mains en dessous, voilà, pour déjointer. Impeccable, c'est venu comme il faut. Alors, maintenant, même punition que l'autre. On va aller attraper tout ça devant. Ça, je vais l'enlever parce que c'est pas terrible. Ça, c'est au niveau de la saignée, donc bon, on va garder ça. Hop. Il y a quand même un peu de gras dessus, c'est juste que niveau chair, elles sont pas très grosses. Ça, on peut pas leur en vouloir, elles ont pas été élevées pour la chair. Donc on va faire très attention de ne pas percer la peau. Bien raser tout le dos en fait de la poule. On peut même gratter comme ça, mais je le conseille pas parce que si vous allez trop vite, c'est là que vous allez faire des bêtises. Le solilès qui est ici, lui on va le récupérer. Hop. L'autre solilès de l'autre côté, on va faire la même chose. C'est pas des très gros solilès, mais c'est important de les garder quand même. Hop. Donc là, la petite peau du cul. On va faire en sorte de pas la
loupé contrairement à l'autre. Parce qu'on va en avoir besoin de cette peau de cul. Là je l'ai eu à peu près, mais c'est pas très gros quoi tout ça. C'est bon, impeccable. Donc ça c'est la carcasse de l'autre. Maintenant pareil, vous voyez, si elle a des plus belles cuisses quand même. Elle est plus jolie un peu celle-là. Elle est beaucoup plus jolie je trouve que l'autre. Enfin, si, elle est plus jolie que l'autre. Celle-ci est plus jolie que l'autre. Il y en a une qui est plus belle que l'autre. Les cuisses maintenant, même pareil que tout à l'heure, on enlève. Hop. Voilà. On fait le tour. La même chose de ce côté-là. Voilà. On va aller récupérer tout ça. Ici, on gratouille. Là. Pareil, on va faire en sorte de ne pas percer la peau, de tout garder comme il faut pour pouvoir la fermer correctement tout à l'heure. Hop! Voilà une cuisse de fête. Impeccable. L'autre. Hop. Alors si vous voulez savoir la différence entre une poule et un poulet, tout simplement que la poule, c'est une poule qui a déjà pondu, qui est assez vieille, donc qui va servir à mijoter parce qu'elle va être plus ferme qu'un poulet, parce qu'un poulet c'est jeune. Donc il n'a pas eu le temps de pondre encore, donc on appelle ça un poulet. Enfin, elle, du coup, parce que c'est une poule à la base. Une poule qui n'a pas eu le temps de pondre. Là, il y a un gros... Vous voyez, là, les nerfs, ils sont quand même un peu plus... rêches que sur un poulet, par exemple. C'est comme ça. C'est pour ça que la poule va à la casserole et le poulet va au four. Hop. Voilà, donc ça, on va le laisser, oui je laisse les os des ailes, hein. Toujours laisser les ailes comme ça, ça sert à rien de les enlever, vous allez plus tout péter qu'autre chose, donc ça, hop ici, celle-là elle est faite, ça on garde ça, alors maintenant je vais aller chercher mon broyeur, on va broyer quelques morceaux de viande, on va assaisonner tout ça. Et ensuite, on pourra farcir nos poules, mettre un petit ficelage pour faire la forme de la poule, et ensuite, la cuisson. Donc là, aujourd'hui, il y a deux recettes. Il y a plumer les poules, il y a désosser les poules, il y a les préparer la chair, comment on assaisonne la chair, comment on assaisonne. Il y a ben des choses en même temps, là. Pourquoi ça marche pas la balance, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, d'accord. T'es en train de mourir, elle aussi? Mon bol. C'est pareil, je suis descendu sur mon bol. Ah, quand t'as pas de tête, t'as des jambes. Bon. Et voilà, morceau de cochon. Est-ce que ça va passer là-dedans, ça? Oui, ça s'est broyé. Donc là, nous avons 900 g de chair. Dans ces 900 g, on va rajouter sel, poivre. Donc là, on va mettre 16 g de sel. Entre 16 et 20 g. Après, je vais vous dire, si c'est un peu trop salé dans le bouillon, ça va se répandre. Donc c'est pas gênant. Donc ensuite, le poivre, il faut 1,5 g. Sauf que la balance ne me permet pas de dire... qui a 1,5 g, elle commence qu'à 5 g. Il me faut des épices rabelais que j'ai laissées en haut. Donc mes épices rabelais, je vais pas en mettre de trop. Petite pincée comme ça, voilà. Je vais rajouter, pour le plaisir, une lichette de vin rouge, une lichette d'armagnac, pour rajouter un peu de saveur. Hop, là, on va brasser tout ça. Hop, pardon, excusez-moi. Je vais me mettre là pour brasser, ce sera plus simple. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape...
farcir les poules. Alors, je vais chercher ma ficelle, je vais aller chercher une aiguille à coudre, et on se retrouve tout de suite. Je trouve pas mes aiguilles à coudre. Ah, c'est bon, je les ai trouvées. Ah, voilà, des aiguilles à coudre. Donc elles sont grosses, donc là on va prendre notre poule, voilà. Et là on va faire en sorte qu'il y ait de la farce pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on va partager en deux. Voilà, donc là il y en a assez pour l'autre. Et alors maintenant, on passe aux choses sérieuses. Donc on va la ficelle, hop, on va la passer dans l'aiguille, logique. Si j'y arrive, hein, parce que... Ok, d'accord. Là. Donc maintenant que ça s'est mis dedans, et ben on va... Tout simplement, c'est pour ça que c'était important que les peaux restent en place. Là, je vais prendre... Alors attendez, comment je vais faire pour que vous puissiez voir? Là, je vais prendre, hop, par en dessous... Ensuite, celle-là, hop, l'aile reste donc par là. Là. Je reprends comme ça dedans. Voilà. Donc là, je suis passé par là, je vais reprendre par ici. Donc là, je referme toutes les ficelles pour pas que ça souffle pendant la cuisson. Donc là, je vais la ficeler un petit peu pour qu'elle tienne bien en forme, sans trop serrer pour pas que ça éclate partout. C'est vraiment histoire qu'elle prenne la forme d'un... Une belle petite forme. Tiens, mais j'ai de la ficelle ici, moi. Hop, voilà. Ça. Les ailes, on va faire en sorte qu'elles restent collées ici, pareil, pour pas que ça se défait. Hop, sans trop serrer trop fort. En fait, le ficelage, comme ça, va être bien uniforme partout. Elle aura bien la même forme un peu partout. Ça va être bien. J'ai pas de truc pour dérouler la ficelle, c'est pas pratique. Regardez donc comment c'est beau. En voilà une. Donc voilà, j'ai ma poule farcie, qu'on va pouvoir aller faire cuire tout à l'heure. Je vais faire celle-là. On enlève le gésier. Je vais faire celle-là qui va être un peu plus compliquée parce qu'elle est un peu pétée de partout. Et je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai fini les deux. Pour ceux qui se demanderaient comment je ficelle, vous prenez votre ficelle, vous la passez en dessous, vous faites ça, vous faites 1, 2, 3, vous serrez, après vous faites comme ça, vous serrez, et vous faites 2, 3 nœuds pour pas que ça pète. Donc voilà pour les poules, maintenant je vais aller chercher ma gamelle, on va les faire... cuire ensemble, je vais vous dire comment faut faire, enfin je vais du moins vous montrer le début de cuisson, on va les mettre dans l'eau, on va les laisser cuire un certain temps, on va mettre des carottes, des oignons, sel, poivre, en fait on peut mettre ce qu'on veut un peu dans une poule au pot, c'est comme un peu un pot au feu, hein, tout simplement. Je mettrai bien celle-là je la garderai pour un autre, ouais. Sont-ils pas belles? Magnifique. À tout de suite. Donc j'ai mis ma poule et sa carcasse dans la gamelle, avec le gésier qui est en dessous bien sûr, ah oui on met le gésier parce que le gésier c'est très bon. Je vais ensuite couper des carottes, couper des oignons, je vais recouvrir ça d'eau, je vais laisser ça cuire tout doucement toute l'après-midi, vraiment un feu très doux. Ensuite, à la fin, je vous montrerai la présentation dans un plat, parce qu'avec le bouillon de poule, on va faire une sauce, vraiment une vraie sauce. Donc ensuite, je couperai ça en tranches, je mettrai ça dans un plat, je mettrai la sauce par-dessus, comme ça vous verrez à quoi ça ressemble à la fin. Je voulais revenir sur un petit point. Pendant la vidéo des 20 000 abonnés, j'ai mis des photos, le glaude,
et le Bombay, et ensuite les deux maisons de la soupe aux choux. Et il y en a une qui a compris ce que ça voulait dire comme indice, c'est que oui, à l'avenir, je veux que cette chaîne se développe pour que je puisse faire ma ferme, pour que vraiment on vive comme à l'ancienne, c'est-à-dire faire ma ferme, faire mes moissons, faire mon fût qu'on fait les moissons, le blé, le maïs, tournesol pour les poules, le maïs pour les canards quand on les gave, pour les cochons, le blé on peut aussi s'en servir pour faire de la farine, il y a tellement de choses à faire, et ça c'est mon objectif, c'est vraiment d'avoir ma ferme, la partager avec vous, et ça sera extraordinaire, et là on aura vache, cochon, poule, canard, dinde, on fera vraiment tout nous-mêmes, ça sera trop bien. Donc bien joué, j'ai oublié ton prénom en commentaire, je le retrouverai et je le mettrai ici, mais bien joué à toi, tu as trouvé la réponse, donc merci de me soutenir encore sur ma chaîne YouTube, et j'espère qu'un jour nous vivrons ça ensemble. Allez, je m'occupe de tout ça, on se retrouve pour la présentation, à tout de suite. Faut toujours qu'il y ait un truc qui déconne, de toute façon. Bon, on la voit, ma tête de dépité ou pas, là? Non, parce que, normalement, vous auriez dû avoir la recette de la sauce et ensuite la présentation de la poule en fin de cuisson. Et il se trouve que j'ai perdu ces deux vidéos-là. Voilà, elles n'existent plus ni dans l'ordinateur, ni dans mon téléphone. Alors qu'elles ont été tournées, j'ai un très bon souvenir que maintenant je surveille beaucoup. Si ça filme ou pas. Donc la seule présentation que j'ai, c'est le reste d'hier soir, du coup, de ce qu'on a mangé de la poule qui sort du frigo. Donc du coup, très peu appétissant, je vais vous le montrer quand même. Donc j'avais fait une sauce suprême. Donc là, on voit que c'est farci, mais dans le frigo, ça a séché un peu, logique. Hein. Donc voilà, j'avais fait une sauce suprême qui était bien, j'avais fait ça avec un roux. Je vous mettrai quand même la recette de la sauce suprême en description. C'est tout ce que j'ai à vous présenter. Je suis désolé, vraiment. J'avais fait ça avec des belles tranches, tout ça. J'avais fait une belle présentation et j'ai tout perdu. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un j'aime, à partager quand même la vidéo. Voilà, j'espère que les autres vidéos, il arrivera pas de choses comme ça parce que c'est terrible. C'est une journée de finalement de entre s'occuper de préparer les poules, de filmer, de mettre sur l'ordinateur en même temps pour pas qu'il y ait trop de surcharge sur le téléphone, ça m'avait pris une journée. J'avais fini à 7h et des brouettes le soir, juste après, du coup, on a mangé. Et du coup, je suis dégoûté d'avoir perdu tout ça parce que ça m'a fait chier. Mais bon, on a gardé l'essentiel, c'est-à-dire le plumage, le désossage, le farcissage de la poule et... on va dire que c'est l'essentiel pour la cuisson. L'après-midi, je l'ai laissé 4 heures à feu très doux. Et ensuite, avec les carottes en même temps, les oignons, sel, poivre. Et j'ai rajouté cette sauce suprême que je vais vous mettre en description. Voilà. Sur ce, abonnez-vous. Puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, bonne soirée, bonne journée. Allez, bisous.